Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger une onde de choc à la faune sauvage avec une grenade ou un arc à onde de choc. Donc pour réaliser ce défi, ce qu'il vous faudra, c'est déjà au moins des grenades à onde de choc. Alors ce que moi je vous conseille, c'est d'utiliser directement les grenades à onde de choc pour réaliser le défi. Mais sinon, vous pouvez toujours créer un arc à onde de choc. Alors si vous voulez le faire avec un arc à onde de choc, ce qu'il vous faudra au préalable, c'est déjà des grenades à onde de choc et un arc improvisé. Ensuite, il vous faudra aussi des pièces mécaniques parce qu'il vous faudra améliorer votre arc en arc mécanique. Donc pour trouver des pièces mécaniques, il suffit juste de détruire des véhicules ou des caravanes, etc., etc. Tout ce qui est métallique et qui a logiquement un moteur vous donne des pièces mécaniques. Donc récupérez 4 pièces mécaniques et ensuite allez dans votre inventaire fabrication, allez sur votre arc improvisé et ensuite améliorez-le en arc mécanique. Quand ceci est fait, restez sur l'arc mécanique et là si vous avez vos 2 grenades à onde de choc, vous allez pouvoir l'améliorer en arc onde de choc. Quand vous l'avez amélioré, là vous allez devoir infliger une onde de choc à la faune sauvage. Donc la faune sauvage, c'est les sangliers, les loups, les poules, les dinosaures et je pense même que les grenouilles sont compris comme de la faune sauvage. Donc pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux. Alors quand vous avez trouvé l'un de ces animaux, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement charger votre arc à onde de choc et envoyer une flèche à onde de choc sur l'un de ces animaux. Mais il faut que vous sachiez que si vous ne chargez pas assez votre arc, l'onde de choc ne se fera pas. Donc regardez bien que l'onde de choc s'allume quand vous chargez votre arc avant de tirer. Donc chargez votre arc pendant au moins 2-3 secondes. Ensuite, vous tirez vers l'animal et là vous lui faites un coup de onde de choc, comme ça vous terminerez le défi et vous débloquerez 24 000 XP. Donc voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.